La Minute Info avec votre espace Campus France-Maroc. Vous partez en France pour passer un concours, une épreuve de sélection, une épreuve diplômante ou un examen pour valider une formation? Vous êtes concerné par la procédure préconsulaire avant de faire la demande de visa. Tout se passe en ligne sur la plateforme Études en France. Il suffit de vous connecter ou de créer un compte et de renseigner le dossier électronique « Je suis accepté ». Vous devez renseigner votre projet d'études dans le dossier « Je suis accepté » en sélectionnant une acceptation papier reçue en dehors de l'application Études en France. Ensuite, remplissez les champs demandés en respectant les étapes à suivre. Vous devez effectuer la procédure préconsulaire au moins un mois avant la date de départ. L'étape suivante est la saisie des informations personnelles. Si vous avez déjà un dossier de candidature, inutile de renseigner les informations personnelles à nouveau. Vous les retrouverez enregistrées dans votre dossier « Je suis accepté ». Sinon, vous devez remplir toutes les rubriques avant de soumettre votre dossier. Commencez par renseigner votre situation personnelle actuelle. Ensuite, votre parcours et diplôme en remplissant votre parcours depuis le bac. En ce qui concerne la rubrique « Compétences linguistiques », vous êtes dispensé de la certification de français et vous êtes également dispensé de l'entretien préconsulaire. Consultez notre guide disponible sur notre site internet. Il vous accompagne dès la création de votre compte et à chaque étape de la saisie de votre dossier. Vous avez terminé de renseigner votre dossier? N'attendez pas. Soumettez-le et payez les frais pour qu'il soit traité. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner la rubrique « Je vérifie que tout est complet et je confirme mon choix » et cliquez sur « Je confirme mon choix définitif » auprès de l'espace Campus France. Une fois le dossier soumis, vous devez payer les frais Campus France. Il est possible de payer en ligne ou en espèces auprès d'une des agences bancaires du Crédit du Maroc. Si vous avez déjà payé les frais de dossier cette année, il est inutile de payer à nouveau. En cas de doute, contactez-nous pour vous assurer que le paiement est toujours valable. Consultez les cas de dispense sur notre site internet. Votre attestation d'acceptation est téléchargeable dans la rubrique « Projet d'études ». Cette attestation, aussi appelée « Accord préalable d'inscription », est nécessaire pour la constitution de votre dossier consulaire. Une fois le dossier finalisé, Campus France vous envoie un message d'autorisation afin de planifier vous-même votre rendez-vous TLS pour déposer votre dossier consulaire. Vous devez obligatoirement présenter l'autorisation le jour du rendez-vous. C'était la Minute Info avec votre espace Campus France-Maroc. Merci pour votre attention et à bientôt pour la procédure préconsulaire.